Yo! Là, c'est le moment où je dois dire désolé. Je n'ai pas du tout réussi à faire une vidéo par jour. Dans tous les cas, je l'avais limite prévu. Enfin, je savais que ce serait hyper compliqué. Mais j'ai quelques petites excuses. Là, on dirait vraiment une enfant qui essaye de justifier, qui a fait des bêtises et qui justifie auprès de ses parents. Mais je vais vous expliquer. En gros, ce qui s'est passé, c'est que déjà la semaine dernière, c'était mon anniversaire. Encore un grand merci à tous de me l'avoir souhaité autant, parce qu'on m'a jamais autant souhaité mon anniversaire de toute ma vie. En gros, j'ai fêté mon anniversaire quasiment tous les jours de la semaine. Donc, au bout d'un moment, la fatigue s'accumulant, je n'avais plus la force et je suis tombée malade. Plus, la semaine d'avant, c'était le salon du cheval de Paris. C'était un délire, ça a été 5 jours absolument dingue et fatigant. Donc voilà, mon corps a dit stop. En plus de ça, clairement, en termes d'idées de vidéo, en faire 25 avec les poneys, assez compliqué. Et ma vie ne se résume pas à vivre allongée dans la gadoue avec mes chevaux. Donc voilà, il y a un moment où j'ai plus rien à vous montrer. Et en plus de ça, depuis du coup 2 jours, enfin, je sais plus depuis quand, mais en gros Mareva est partie en vacances. Et Mareva, si vous ne le savez pas, elle a ouvert sa sellerie en avril ou mai dernier qui s'appelle Upper Sport. Et donc en gros bah je gère la sellerie là actuellement. Elle m'a tout ramené à la maison pour que ce soit moi qui gère tous les envois etc, puisqu'elle est en vacances, je crois que je l'avais déjà dit. Mais voilà, donc c'est moi qui gère tout et c'est beaucoup beaucoup de taf, et donc c'est un petit peu fatigant. Donc bon, là en gros je vous emmène avec moi pour aujourd'hui. On va aller voir direct les poneys puisque c'est le mating. On va dire bonjour et ensuite on va s'occuper de la sellerie, commencer à faire les colis qu'il faut envoyer, tout ça. Et voilà, donc c'est parti pour cette petite journée. Let's go. Vous êtes rempli de foin, vous en avez partout. Ça va? Bien dormi? Ouais. Et toi, mon petit cul? Oh, mais pousse-toi, toi, ta grosse tête. Ça va? T'as bien dormi, toi aussi? Oh, t'es trop beau. Oui, mais toi aussi, t'es beau, mais toi, t'es sale. Arrête avec tes oreilles en orure! Oh, je vais te les manger, hein. Ouais, ouais. T'es beaucoup plus beau que tes oreilles en avant. T'es pas de bonne humeur, toi, ce matin, ça se sent. Ça se sent, t'es pas de bonne humeur. Tu veux pas être beau un peu au lieu de faire ton chameau à la caméra là? C'est pas possible. C'est pas possible. Bon bah voilà, le bonjour du matin est fait. Maintenant je m'en vais à la découverte de la série de Mareva. On va bien rigoler parce que ça va être la première fois que je vais faire les colis. Ça va être très fun. Let's go. Donc voilà concrètement tout ce que ma rêve m'a ramené. Et encore, il y a certains trucs où elle a pris le choix délibératif de ne pas me l'emmener parce qu'elle sait que ça va pas forcément être vendu, c'est pas la saison, c'est pas la période, machin, machin, machin. Mais voilà, en gros, tout ça, c'est la sellerie, Upper Sport. Et quand mon père a vu cette quantité de tapis avant que je ne lui explique ce qu'il se passait, il a eu très très peur. Bref, donc là on va s'installer, on va préparer, je crois qu'il y a une dizaine de commandes qui sont passées, donc on va faire les commandes. J'adore, j'ai l'impression de gérer une sellerie, c'est un peu ça. Bref, allez, c'est parti, au travail. Même moi du coup j'apprends un peu à gérer le truc, donc super, s'il n'y a pas de réseau, ça va être galère. Je vais baisser un câble. Laissez-moi faire mon travail d'assistante correctement, s'il vous plaît. Lycol Harry's Horse vert en taille cob. Alors je pars à la recherche. Je crois qu'ils sont là dedans. Non, ils sont là les licoles. Alors le licol Harry's Horse taille cob. Bah parfait. Je tombe dessus directement. Quel plaisir. Là nous avons trouvé le petit licol. Je vous rassure, Mareva est bien mieux organisée que moi, hein. Moi je fais gestion pendant 2 semaines. Bref, donc là on a trouvé le licol. Ensuite maintenant il faut trouver l'emballage adéquat. Dans quel emballage on va mettre ce licol? Moi je sais pas. Ah. Comment ça fonctionne? Bref. On a une première mission accomplie. Tout là c'est les commandes qui sont prêtes à partir. Enfin prêtes, non. Parce que maintenant, ma rêve va être très exigeante. Faut que je rajoute des bonbons. Faut que je les emballe. Faut que j'imprime les étiquettes d'envoi. Oh, c'est un vrai taf, mon dieu. Ça, moi ça me... Ça m'enjaille, mais juste pour 2 semaines, hein, clairement. C'est terrible. Franchement, là, est-ce que vous voyez à quel point j'ai pas menti quand je vous disais que j'étais fatiguée? Je crois que ça se voit. Bref, là, on est sur un problème de taille d'une meuf qui apprend à gérer une sellerie.
et qui doit envoyer des colis, mais qui n'a plus d'encre dans son imprimante. Donc je pars acheter de l'encre pour l'imprimante, pour envoyer les colis, et au final, vu qu'il manque plein d'adresses, les colis partiront tous demain au point relais et à la poste. Et en plus on est lundi, donc la poste est fermée. Voilà, écoutez, c'est le tarif quand c'est les loups qui gèrent Upper Sport, hein. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, voilà, donc là on va chercher de l'encre pour l'imprimante, et ensuite... je vais pas vous dire ce que je vais faire, mais vous allez vite savoir. J'ai faim, je veux un goûter. Ça commence par Mac et ça finit par Do. Oups. Ça va être bon, hein. Vous voyez là, hein, ce petit mur là, on le reconnaît tous, hein. Le petit mur du McDo quand tu viens au drive. Bah voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Oh oui, oh oui. Est-ce que vous aussi, quand vous faites des courses, il y a un truc sur lequel vous ne pouvez pas tergiverser? J'ai nommé les paquets de carottes pour les poneys. Et j'ai mon encre aussi. Allez, on va aller voir les poneys. Et je suis, comme qui dirait, bien équipée. Genre là, j'ai des carottes. Là, j'ai des carottes. Là, j'ai des carottes. Je suis carotte girl. C'est parti. Oh non, il y a le soleil, il est couché juste derrière. Attendez. J'espère qu'il va pas se relever. Donc j'arrive. Bonsoir mes petits hommes. Comment ça va? Oh bah là. Oh là, oh oui bah là. Là on est parfaitement bien installé, hein Minou. Tiens, et regarde. On a même le repas du soir à domicile quoi. Oh bah alors là c'est parfait. Mais que demande le peuple? Tiens mon petit chat. Oh bah oui, crac. Crac. Oh bah t'arrives pas. Ah mais alors là, non mais, des carottes couchées dans le foin, mais c'est merveilleux. La vie est beaucoup trop belle par ici. Oh là là là, oh voilà. Oh oui, c'est plus simple de manger debout, hein, c'est clair. C'est le paradis sur terre par ici. Viens Sango. Tiens babe. Ah! Une carotte dans la gadouche. T'es plein de foin, vous êtes rempli de foin. Allez, crac, 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 ouais! Olaf! Bon, du coup, pour les nouvelles des poneys, vous m'en demandez tout le temps. Et ils vont très très bien, hein. Je sais qu'on les voit pas beaucoup dans les vlogs, mais bah voilà, c'est ça ma vie aussi. C'est que je suis pas tout le temps collée avec mes poneys. Mais enfin pour le coup, voilà, ils vont très bien, ils vont même très très bien. Regardez-le, ce chameau là, cette chippie, toujours en train de faire des bêtises. Pète la forme. Donc voilà, tout le monde va bien. Et c'est le principal. Bon bah écoutez, sur ce, nous on va vous dire bonne nuit. Je ferai plus une vidéo par jour. Peut-être qu'il y en aura une demain, peut-être qu'il y en aura une après-demain. Qu'est-ce que tu fais? Et voilà, parce que c'était trop, là c'était trop fatigant, j'en pouvais plus. Mais voilà, je tiens jusqu'au 25 décembre. J'essaye au moins d'en refaire encore 4 ou 5, promis. Mais je veux avoir du contenu intéressant, de qualité, avec des choses à vous montrer. Et voilà, c'était un petit peu pour vous expliquer bah voilà, tout ça, ce petit vlog d'aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous. À demain, ciao, bye, je vous aime fort.